Lors du précédent épisode, les aventuriers ont trouvé la pièce de mage leur permettant d'aller trouver le maître Ofka. Or, après plusieurs jours de marche, Arzelius ressentit un appel de Loom. Il devait se rendre à son monastère en urgence. Il laissa ses compagnons et partit, leur confiant la lourde tâche d'arrêter le culte de l'ordre, afin que tous puissent reprendre une vie normale. Donc, après une journée de marche, vous arrivez près d'un pont. Sur ce pont, vous voyez un garde. Que faites-vous ? Je tire une flèche. Dans la rue, tu croises une vieille dame qui a l'air de crever de faim. Que fais-tu ? Je tire une flèche. Oh, déjà, c'est quel type de garde ? Est-ce que c'est des gardes de la faction qu'on a déjà rencontrés ? Non, ce n'est pas un garde de la faction. Vous voyez plus des vêtements de garde de cité. D'accord. Et c'est censé avoir une cité de pas loin d'ici ? Oui, puisque vous vous dirigez vers les montagnes d'Amouliem. Okay. Donc, en gros, ça peut être le garde d'Amouliem. Enfin, ça peut être un garde d'Amouliem. C'est ça. D'accord. Donc on peut lui demander notre chemin. Donc je peux ranger mon arc. La déception. Personnellement, je pense que j'ai peut-être pas allé faire le social. Kem, on va dire que vu l'idée que j'avais à la base, vaut mieux que tu y ailles. Ah d'accord, ok. Excusez-moi monsieur, savez-vous si nous sommes sur la bonne route pour les montagnes d'Amouliem ? S'il vous plaît. Oui, c'est bien par là, mais qui êtes-vous ? Nous sommes 3 touristes. Si, je vois bien que BH, c'est à la ceinture. C'est très crédible. J'ai envie de pleurer. Je viens chasser du lapin. Oh, la crédibilité s'est envolée, quoi. Oui, et vous êtes des touristes, mais alors ? Pas vraiment des touristes, ça, c'est à peu près la même forme. On est plutôt des botanistes, on va dire. On aime bien aller dans les forêts, les montagnes, à la recherche de plantes un peu exotiques et armées au cas où il y a des bêtes sauvages qui nous sautent dessus. Tu me fais un jet de... Charisme, s'il te plaît, Toriel, plus diplomatie, tu es à 70. Ça passe. D'accord. C'est vrai que ça me paraissait bizarre quand même pour des botanistes de se balader avec des haches. Des fois, le métier est un peu dangereux, et puis pour couper quelques arbres sur la route, c'est souvent pratique. Voilà. Les gars, quelques questions à poser, peut-être, l'orientation, je sais pas. Voilà, la direction la plus simple pour monter dans les montagnes. Vous passez le pont, vous allez arriver à un embranchement, vous prenez le petit chemin qui monte et ça va vous monter et ça va vous amener vers les montagnes. Mais alors, je suis navré, hein, c'est la procédure. Hein. Mais qu'est-ce que vous venez chercher exactement par chez nous ? Des spécimens de plantes des montagnes assez rares, qui paraît-il vivraient dans vos montagnes. C'est assez intéressant, en effet. Très bien, extrait. Bon. Bah écoutez, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, hein. Néanmoins, essayez de faire attention. Hein. On a entendu dire qu'il y avait quelques sorciers qui traînaient dans la région. Ne vous inquiétez pas, on a des potions pour les paralyser, on s'en charge. Je vous fais confiance. J'espère juste ne pas retrouver vos cadavres demain matin. Ne vous inquiétez pas. Les nôtres, il y a peu de chance. Très bien. Donc, ce garde vous laisse passer.
Et vous suivez le chemin qu'il vous a indiqué. Et vous arrivez à un petit embranchement. Donc avec un petit panneau en bois indiquant Amouliem et un petit chemin qui monte, comme il vous l'a précisé, vers les montagnes. Go petit chemin. Hein. Qui passe devant ? Brune ? Oui, ouais. Allez me proposer justement. Donc je passe devant. Très bien. Donc vous progressez sur ce chemin jusqu'à arriver dans une petite clairière. Donc vous arrivez dans cette petite clairière où vous voyez une maison. Et autour vous pouvez voir des... que l'air est étrange. Ça ressemble à la maison décrite par la personne qui nous envoie. Oui. Bah ouais. On essaye d'envoyer une flèche dessus pour voir. Au cas où. Tu me protèges. J'ai envie de tirer des flèches. J'ai envie de tirer des flèches. C'est pas en plus comme si j'en avais énormément. Hein. Si tu veux gaspiller c'est bien pour flèches. Voir si c'est dangereux et si c'est... On sait jamais si ça nous... Si tu veux gaspiller des flèches, vas-y. Mais de mémoire, il nous avait dit qu'avec la pièce, nous devrions pouvoir passer. Bah alors écoute, en boîte de conserve, tu vas en premier avec la pièce et puis on voit. On voit si tu crames. Pas de soucis. Donc je m'avance pièce à la main. Très bien, tu t'avances pièce à la main. Donc je te laisse avancer. Mon précieux. Est-ce que Kem ou Toriel, vous faites quelque chose ? Je regarde un peu aux alentours. Je sais pas s'il y a peut-être un truc un peu suspect ou une bêtise dans les bois. D'accord, donc arrête ta progression, Rune. Toriel, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Tu es à 70, je te mets un malus de 30. Ouais, ça. Eh ben non! Tu regardes dans la forêt, dans les alentours. Tu ne repères rien de spécial. Tu vois qu'il y a eu du passage, mais rien de plus. Annonce la douloureuse. Donc, Rune, je te laisse avancer. Et au moment où tu commences à entrer en contact avec cette terre presque bouillonnante, la pièce réagit, tu vois une petite lumière émaner de cette dernière, et tu passes à travers ce bouclier qui se dévoile complètement. Bon bah attends-nous, on arrive. Dépêchez-vous avant que ça se referme. Ça brille. Bon. Et donc, vous pénétrez dans la zone du bouclier qui se referme derrière vous. Que faites-vous ? Bon, on va aller taper à la porte. On va s'approcher de la maison, je pense. On va aller toquer. Allez. Passez devant, peut-être. Toriel, pas une petite flèche avant ou... Non, ça va aller. Moi, je veux bien passer devant, ça me gêne pas. Je suis pas sûr qu'un mec en armure qui toque à une porte, ça fasse plaisir aux gens. ouvre un peu la veste, hein. Très bien, donc, qui toque à la porte ? Ken. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre que j'ai entendu dire. Je te couvre tes arrières, moi, attends. L'efficacité des flèches, s'il te plaît. Bon, je vais taper à la porte et je vais me remettre derrière Kem. Non, mais... la bravoure de l'homme. Non, mais ça peut être une idée, hein, ça peut être une idée. Bah, c'est pour éviter de faire peur quand la personne veut ouvrir. Voir un mec de 2 mètres de haut en armure. Enfin, un mec, je dis un mec. Mais, c'est ce oui, que ça frappant, sent. En frappant, fais attention à pas trop péter le verrou. Tranquille. Je frappe du bout du doigt, tu sais. Allez, Rune, tu me fais un test de force. T'as un bonus de 30% pour casser la porte. Donc, tu frappes à la porte, Rune, du bout de ton doigt métallique, avant d'aller te réfugier tel un enfant derrière Kem. Ah, non, c'est même pas, je vais me réfugier derrière, c'est juste je toque et je me mets derrière, style c'est elle qui a toqué.
Et pour pas qu'il y ait une grosse masse imposante qui est devant la, qui est devant la porte. On dirait les blagues de beauf. Non, mais c'est même pas histoire de faire une blague, c'est vraiment pour pas faire peur à la personne qui va ouvrir la porte. Donc après que vous ayez frappé à la porte, vous entendez la poignée grincer et vous voyez dans l'ouverture de cette porte apparaître un vieil homme avec une très longue barbe blanche. Oui ? Bonjour, nous venons de la part de Leaf. Ah, oui, je m'en doute. Vous êtes passé avec une pièce. C'est cela. Oui. Et pourquoi ce n'est pas quelqu'un de notre ordre ? Parce qu'ils sont tous très occupés. D'accord. On va dire qu'on est un petit peu en temps de conflit et que la route n'allait pas lui être si simple que ça. Du coup, ils ont préféré nous envoyer, nous, armés et combattants. Voilà. D'accord. Vous avez dû forcément avoir un appel ou peut-être une information, je sais pas, non ? Ah non, moi je ne sais rien. Mais pourquoi vous êtes là ? Donc, nous sommes venus vous convier à une réunion entre mages dans les ruines de Falca. Ah d'accord. Et elle a lieu dans combien de temps ? Nous avons 2 semaines pour nous rendre sur place. Nous allons vous escorter jusque-là. Oh mais c'est bientôt, c'est... Il faut que je me prépare. Entrez. Si c'est Liv qui vous envoie, il n'y a pas de problème. Alors vous entrez dans sa maison, hein, vous voyez des bibelots partout. Des livres en vrac, des fioles pleines de poussière, d'autres remplies d'une mixture que vous n'aimeriez pas voir un jour dans un verre. Oui, allez vous reposer. Je prépare mes affaires, nous partons demain à l'aube. Très bien. Pas de soucis. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant que la nuit se passe? Bah, je pense que la kleptomane d'Eli va aller en voler quelques-uns. Non, mais je sais pas, enfin, moi j'aime beaucoup regarder et observer, parce que c'est mon grand dada, il y a toujours des trucs à voir, des trucs à prendre. Voilà, je suis pas kleptomane, j'aime juste prendre avantage de la situation. Après, du coup, il n'y a pas un truc. À moins qu'il ait des armes enchantées. Une petite potion. Pour les pauvres vieux, quand même. Une petite potion de protection, je sais pas. À son allure, c'est plus un druide qu'autre chose. Donc des armes enchantées, il y a peu de chance. Toujours pas. Néanmoins, Toriel, tu vas me faire un jet de perception pour les livres que tu voulais observer. Combien ? Tu es 70. À 70. En fait, il faut créer une compétence pour Toriel. C'est ça. Recherche les livres. 50. Donc tu parcours les différents livres. C'est le grand nombre de livres. Et t'arrives, tu vois un livre qui s'appelle « Les temps anciens ». Ok. Je peux le prendre ? Enfin, je vais demander, je vais attendre que le petit vieux y revienne. Il reviendra que le lendemain. Je vais le lire pour la soirée. Ouais, je vais le lire dans la nuit, enfin, s'il n'est pas trop gros. Sinon, je vais feuilleter les pages et trouver des trucs. Très bien. Donc, la nuit se passe. Et Toriel, tu ne trouves rien de particulier dans ce livre. Ce sont des écritures relativement anciennes, même très abîmées. Tu n'arrives pas à discerner les écrits. Dommage, c'était bien tenté. Donc, qu'est-ce que tu en fais ? Tu le gardes ? Tu le poses ? Moi, je vais le reposer à sa place. Ok. De toute façon, j'ai toujours normalement le premier livre que j'ai trouvé qui était intéressant. Oui. Il s'appelait d'ailleurs Mythes et Chimères. Tu l'as trouvé. Oui, qu'elle a trouvé chez Elix. Ouais. C'est un emprunt. Elle a chouré. Après, il faut dire qu'elle l'a sauvé aussi. Ouais. Techniquement, oui. Techniquement, elle a sauvé un livre. Et puis, c'est un emprunt longue durée, c'est pas grave. Oui, et puis un jour, je le remettrai. Un jour, il sera plus utile. Donc la nuit se passe plutôt bien. Vous reposez bien également. Je vous laisse d'ailleurs vous remettre vos postures. Donc,
Haru, tu étais en offensif et Kem en focus. Et donc vous voyez Ofka arriver avec un petit baluchon et quelques sacoches. Bon, allez, il est temps qu'on se mette en route. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir pour les ruines de Falkar? Moi, c'est bon, je le suis. Moi, j'aimerais bien discuter avec lui sur la route, par contre. Vous avez tout ce qu'il vous faut, des rations pour la route, de l'eau? Oui, j'ai tout. Et puis, de toute façon, étant botaniste, je trouverai bien ce qu'il faut dans la forêt. Mais vous inquiétez pas, j'ai même de quoi vous nourrir aussi. Gentil. Très bien. C'est super. Bon. On pourra discuter avec lui sur la route? Oui, c'est tout à fait possible, oui. Je veux bien. Ou pas. Oui, ça. si, bien sûr. Et donc, vous partez pour les ruines de Falkar. Et vous arrivez près du pont où vous étiez passé la veille. Mais cette fois-ci, le garde que vous y aviez vu n'y est plus. Et vous reconnaissez, par contre, plusieurs gardes du culte de l'ordre. Que faites-vous? Bon. 5, 4... On essaie de passer tranquille, genre... voilà. Alors, non. On va... Bah, essaye, si tu veux. Allez. On va reprendre. Oui. Haru, tu passes en posture défensive. Kem? Ouais. Moi, je suis en focus. Oui, non, mais c'est... Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, Kem? Comme action. Là, je voulais passer. Mm-hmm. D'accord. Toriel? Je reste en arrière sur la... Enfin, en focus, mais je reste en arrière, à côté de Ofka. Très bien. Donc, je vous laisse vous placer en conséquence. Et donc, vous voulez passer tranquillement, c'est ça? Bah, on est des botanistes. Oui, enfin bon. S'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il savait qu'on allait par là. Hein. Je me prépare quand même, s'il y en a un qui bronche, je fais un renforcement terrestre direct. Très bien. Au moment où vous vous approchez du premier barrage, vous voyez le garde du milieu. Hey, c'est vous qu'on recherche.